Ok, salut tout le monde, c'est j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Ratchet Gladiator après un stream de l'ennui cet après-midi. On est donc reparti pour la suite de nos aventures et cette fois-ci on sera sur Ratchet Gladiator. On est donc reparti de manière immédiate, les amis, écoutez tranquillement. On va donc recharger tout ça et on est reparti pour de nouvelles aventures. Absolument formidable. Juste, chose que j'avais oublié, c'était de virer la petite truc, le stream de l'emmerdement, voilà. Comme ça, on sera bien. Du coup, on avait plutôt bien avancé. On avait donc chopé le premier grade de gladiateur. Et on voit donc désormais que vous n'avez plus les badges. En tout cas, les subs n'ont plus les badges. Les badges qu'on avait vus. Ils ont un truc fondateur. Donc écoutez, ben, félicitations, vous êtes fondateur d'une chaîne qui a 300 followers et 7 abonnés. Félicitations, vous êtes fondateur. Mais je sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas l'info. Pour l'instant, j'ai pas l'info. Bien. Du coup, on avait donc cette magnifique armure vert olive du plus bel effet. J'ai acheté toutes les armes qui me manquaient. Donc là, on commence à avoir un petit équipement fort sympathique, ma foi. On est fondateur et pas toi. Ouais, c'est ça. Au final, je suis même pas fondateur de ma propre chaîne. Tout va bien. Logique. Il n'y a pas de glace, je me désabonne. Non, mais faudra que je regarde ça après, du coup. Mais entrer dans les transports, du coup. Et donc, direction la nouvelle planète Char. Yo San également, j'espère que tu vas bien. Rial et Modo de la table ronde, c'est ça. Changer de planète, oui. C'est pas un cadeau de m'avoir comme fondateur, non, clairement. Clairement, je confirme que non. Ouais, donc je sais pas du tout ce que c'est cette histoire. Si quelqu'un a l'info, je suis preneur. Parce que c'est quand même un petit peu chelou. Ce soir, sur Dreadzone, l'équipe Darkstar part pour un voyage à travers la Terre Sainte de la planète Char. Ce temple historique, autrefois ennuyeux à mourir, est aujourd'hui le centre d'un tout nouveau tracé fatal explosif. Mais pour espérer y pénétrer, Ratchet va devoir relever certains des défis les plus périlleux de Dreadzone. Et même s'il y parvient, cela m'étonnerait qu'il devienne le premier concurrent de la saison à sortir vivant de ce temple. Bon, vu que je suis fondateur, je te conseille de faire ça, de faire du streaming beauté. Ah ben, en vrai, des streams beauté, je suis pas sûr que ça se fasse, hein. Enfin, que ça ait été fait encore. Ça pourrait être marrant. Alors du coup on reprend les deux plus belles avec nos petits équipements qui sont pétés du filon désormais. Cheatés. Donc on avait fait toutes les missions qui étaient possibles et imaginables déjà. Oula. Ah ça c'est des saloperies ça. Oh c'est cochonnerie, je m'en souviens. Ah là je suis mort. Le duo Viper plutôt toujours efficace à ma foi. Ça balance des grosses grenades. C'est bon, tout est passé. Allez. Premier défi achevé en fait. Tu 6000 balles. Le temple est divisé en trois zones. J'ai pas regardé s'il y avait des trucs des à acheter. Énergétiques impénétrables. Pour progresser, l'équipe Darkstar devra désactiver ses champs énergétiques. Est-ce qu'on entend bien le son du jeu? N'hésitez pas à me le dire. Oh, le fléau scorpion. Ah oui. 75 000 les deux. Ouh, ça fait cher. Ay caramba. Comme dirait l'autre. Pour le son. Ah, 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 là que le jeu. C'est classe. Il y a des tourelles anti-tank. Ah, carrément, il y a d'autres trucs comme le mien. Oh putain. C'est Wikipédia de Zerator. Genre Zerator fondateur de Twitch. Let's go.
Alors, on va voir presque d'une certaine manière. Mais... presque. Avec MV et tout. Tu vas mourir, oui. Ouais, non, j'ai essayé de regarder. Mais je regarderai au niveau de l'endroit où je pouvais personnaliser des badges. Pour voir si j'ai pas un truc. Si j'ai pas une info à ce sujet, parce que c'est quand même chelou. Je le fais démolir. Il va falloir m'expliquer où est tiré la tourelle là-bas. J'ai pas l'impression que ce soit très efficace. Salut, tu die. Elle est toujours pas morte? Ah, très marrant. Allez. Ah, c'est vrai qu'on a différents nœuds de raccordement, j'en ai loupé un. Bah, pour le moment, j'ai une ligne de tourelle. Ça me semble être la priorité. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Je prends cher, ça va manquer. Je prends cher la maman, la maman. Je prends cher sa maman. La la li la li la la la. Ça envoie les missiles. Je vais mourir tellement fort. Ça va être le feu. Let's go, fais tuer. Oh putain, je vais prendre le missile. Je vais prendre le missile, je vais prendre le missile. Ça craint, ça craint, ça craint. Non, 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 non. Oh non. J'en ai pas un autre quelque part. Oh, ça pue. Oh, ça schlingue. Ça pue du cul cette histoire, si vous voulez mon avis. Ça pue du cul. Très clairement, ça pue du fion. Bon, heureusement, j'ai mon lance-missile, donc à partir de là, je suis invulnérable en fait. Voilà. Toi, tu meurs. Tout ça pour moi, c'est quoi? C'est des boulons? Je sais pas, apparemment, c'était un peu fait pour des boulons. Apparemment, j'ai récolté pas mal de boulons. Yes. Combien j'ai pu en récolter un coup, mais c'est cool. Alors, on va continuer d'améliorer les petits. Voilà. Les petits duo vipères. Ça marche bien. Ça craint. Ça craint. Je vais faire le cul comme j'avais là. Ça c'est safe. Voilà, ben tu meurs. Ça t'apprendra le respect au moins. Est-ce qu'il n'y a pas de la vie qui traîne? Si, carrément. Qu'est-ce que c'est qui saute partout là? Il y avait un truc qui faisait boum, je sais pas ce que c'est. Youhou, les copines! Voilà, merci. La V3 pour plus de puissance. 1000 de puissance. C'est nice. Bon, à la fin, il finira par se faire éradiquer dans le plus grand des calmes. Mais... Ouais. 48 balles, ça suffit pas à en tuer. Hein. Eh ben. Ça promet. Ça passe. Nice.
Coup de clé, capture les nœuds du temple. Encore ? A été savamment caché sous ces précieuses sculptures. Ici, à Dreadzone, nous ne plaisantons pas avec la protection du patrimoine. Les générations futures regarderont les archives de Dreadzone et verront tous les sites historiques dynamités sur des vidéos haute définition. Ouais, tout va être dynamité à l'infini. Du coup, j'ai plus de balles. Est-ce que j'ai... J'ai un petit magasin. Ouais, mais entretuez-vous, hein, faites-vous plaisir. Moi j'ai pas votre temps en fait les gars. Très concrètement j'ai pas votre temps. Oh il y a des tourelles, ça sent mauvais. Oh les tourelles quand elles arrivent comme ça sent mauvais. Hop. Voilà. Oh, flemme de faire moi-même ça. Flemme de le faire moi-même. Très clairement j'ai des larbins pour ça. Une agglomération. Ouf. C'est compliqué cette histoire là. Par contre la bombe IEM, ouais quand tu veux. Trois bombes. On va leur acheter des lunettes. Allez. On va éliminer toutes les grosses tourelles, comme ça on va se tromper. Il doit y avoir un truc en dessous. Oh, déjà. Really? Bravo. Touché. Voilà. En gros, il en faut 3. Bien résistant ce sac à merde, quand même. Les robots reposent quel niveau? Ah, bonne question. Pippo et Mario. Hop là, il y a des trucs en dessous. Il y a de quoi améliorer ma vie. Il y a de quoi gagner plus de thunes. La tourelle, elle a pas fait long feu. Bah non, j'ai pas aller là-bas en fait. Attention aux tourelles. Ça peut être dangereux. Ça fait mal, ça mal. Allez, on est pas comme ça. Protège-le ! C'est ton frère. Il n'y a toujours pas de com de Yannick. Bah écoute, non, pas de nouvelles pour l'instant, donc bah écoute. Apparemment c'est bon. On est bien. Pour le moment, pas de nouvelles, donc j'ai checké pas mal et a priori tout semble réglé, donc je le remercie si c'est le cas. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Pas votre temps en fait. Non mais continuez à vous concentrer sur les robots, c'est très bien. Là c'est bon. Mais... Pourquoi s'épuiser à tourner des crans au boulon quand tes robots peuvent le faire pour toi? Mais comme toute évidence, ils sont pas foutus de faire leur boulot. Hein? D'abord. Les robots. Allô. Enfin vous réveiller à un moment les gars. Pourquoi s'épuiser à le faire toi-même alors qu'ils peuvent le faire pour toi? Bah, si seulement ils se branlaient pas la nouille en fait en permanence, ça serait bien. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Oh. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Non, on va pas. J'en parlerai pas plus que ça. Ça semble terminé. Pour l'instant, on en parle pas plus. Moins on en parle, et mieux c'est. Vous savez quoi?
On est des robots, on n'est pas des nouilles. Un PV. Je le vis bien. Je vis actuellement ma meilleure vie. Non ! Oh ! Ah, c'est moche ce qui s'est passé. Mon doigt détend commence à me démancher. Hop là. Bon, et on recharge. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures absolument incroyables. Playmobil. Oh non, 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 non. La balle perdue. Non, c'est juste la balle dans le cul en fait. Hein. Ça rime. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Malheureusement. Tu vis ta meilleure vie, puis t'es mort, c'est ça. Bah, en vrai, ta meilleure vie, c'est tant que t'es pas mort en fait. Après, bah, quand t'es mort, c'est un peu plus compliqué de vivre ta meilleure vie quand même. Non pas que c'est impossible, mais automatiquement, ça devient un peu plus compliqué quand même. Robot à terre! On a dit quoi sur le karma? Ouais, c'est vrai, non mais. Je sais que mon karma est négatif, hein, je le sais, mais. J'aime bien embêter mon karma. Ah, les vipères level 8. Ça, c'est très bien. En vrai, j'aimerais que d'ici la fin du stream, elles soient level 10, les vipères. Ça doit être faisable. Avec toutes les missions, les ennemis qu'on va affronter, ça se fait large. Ça se fait. Dans le cas des personnes de Dark Souls, c'est quoi la meilleure vie? Bah, c'est quand ils ont un PGM qui les joue et qui ne meurt pas, lui. Il y en a, hein, ça arrive. De temps en temps, il y a des élus de la prophétie. Ah, c'est bien de tirer à travers les murs, mais c'est mieux de tirer sur les ennemis, en fait. Et putain, il y a un mec en face de toi, tu tires sur le vaisseau qu'il y a derrière, quoi. Le sens des priorités est absent. On dirait un streamer qui doit choisir entre streamer et réviser, quoi. Là. En vrai, c'est marrant parce que le jeu est quand même un peu bugué. Donc c'est rigolo. Campagne terminée. Déjà ? On a déjà un badge bleu. Mais what the fuck, c'était quoi cette planète en 3 missions là ? 8000 balles. Bon, après, il y a plein de petites missions. Mais il y avait 3 missions à faire. Donc actuellement, je suis vengeur et j'ai 50 000 points. C'est pas mal. Bah du coup, on va se faire les différentes petites missions qui traînent là. 18 000 points à gagner, 6 000. N'utilise que des armes disponibles pour capturer les nœuds. Moi, ça me va. Hein. Ah. Nice. Oh oh oh, ça sent mauvais. Allez, capturer les deux. Je survis, moi, pendant ce temps-là. Aïe. Je comprends pourquoi ça vaut 18 000 points. GG d'avoir rejoint les Avengers. Yes. C'est vrai, je suis un Avenger, du coup. J'avais même pas fait gaffe. J'avais même pas pensé à celle-là, tu vois. C'est pour ça que c'est bien quand il y a un chat comme ça. Vous faites des blagues, mais c'est bien. Quand vous êtes drôle, c'est cool. Ça sera mauvais. Là. Hey, tu vas mourir, oui. C'est bien parce que ça va m'obliger à utiliser des armes que j'utilisais pas jusqu'à présent. On va prendre le fusil de précision. D'accord, le fusionator est clairement trop puissant pour cette existence. C'est un peu dangereux par ici. Pouah. Vous ne vous endormez pas. Non, non.
Mais du coup, j'ai l'impression que ça influe pas forcément sur le reste. Je vais tous vous sauver. Ah putain. Je meurs en boucle, c'est un vrai plaisir. Allez. Concentration. Bombe nucléaire. En fait, ce que j'aime bien, c'est que du coup, les missions, ben, le truc, c'est que les missions, elles reprennent même pas à zéro. Genre, je reprends littéralement là où je suis mort, donc ça met des checkpoints, donc au final, les missions sont même pas si dures que ça. Puisque, in fine, voilà, 50 000 points gratos, 18 000 points de terreur, sachant que j'en avais 50 000, hein, donc là je viens de gagner 18 000 points gratuits. What the fuck, 9 000 points encore hein, à gagner avec cette mission. Ratchet, je vais vous sauver, ça prend une balle dans la tête, ça c'est clair. Permis de tuer, à l'aide du Rodator, Ratchet doit détruire les cibles situées dans toute la zone. Ah, j'arrive. Alors, permis de tuer. Et maintenant, place au chaos total. Accrochez-vous au volant et détruisez tout sur votre passage. Ah, c'est un truc où il faut détruire les cibles. J'ai pas un temps d'être déterminé. Ah, ça c'est... Ah d'accord, mais en plus là, je conduis pas le Rodator en fait. Pour vous expliquer concrètement la situation, c'est chaud. Oh, les trucs trop, je crois que ça me fait perdre des points. Dommage. D'accord, tant que je tire dessus, ça me fait gagner des points. Ouais. C'est un peu de jackpot. D'accord, les mines c'est censé les faire péter, mais ça ne fait pas gagner de points, je crois. En tout cas, c'est pas l'impression que j'ai. Faut que je gagne plus de points, j'en ai que. Il m'en manque 10 000. Yo! 15 000. Oh putain, mais je vais jamais avoir les points nécessaires. Échec du défi. Oh, c'est dur. Ah, mais j'avais pas vu la notif Twitch qui me dit que j'ai débloqué le badge fondateur sur ta chaîne. Bah oui, mais quel est le quoi du comment en fait. Là, je veux bien, mais... Félicitations, vous êtes fondateur si vous voulez, mais... Quel est le code. Max du boudin, fête. Ça a tué du gruyère. On fait le point. Et je vais jamais gagner en fait. C'est pas possible, c'est trop dur. Comment je suis censé faire pour gagner en fait?
15 000. Déjà, ça fait pas gagner de points en plus de leur tirer dessus. Allez. C'est notre show de gruyère. Ah, coup de cul. Oui, mais non, mais mets pas ça ici. Ah. Bon, allez, vas-y, laisse tomber. Oh putain, en plus oui. Il y a toujours ce truc qui me fait que je peux pas quitter les niveaux en fait, c'est chiant. En plus avec le joystick qui est inversé, va t'amuser. N'est-ce pas? C'est impossible, je vois pas comment faire. En fait, il y a trop de mines qui me bloquent le passage en fait. C'est mort. Faut que ça passe. On y croit. Ça passe quand même. Ça ne passera jamais. Bah non, mais continuer, ça me fait revenir ici, c'est chiant. Ah. C'est un peu bizarre cette histoire quand même. Ah, cinématique. Tous les enfants de la galaxie savent que porter le bon pyjama peut leur donner des super pouvoirs. Je suis Gamatron, mes yeux tirent des rayons laser. Je suis Reactor, je mange du métal. Je suis Batalon et je vole. J'adore ce passage. J'adore quand les enfants se font mal. Et quel est le bilan? Personne n'achète la nouvelle gamme de produits S Hardlight. Ah. En fait, les ventes sont en baisse dans l'ensemble, sauf pour les oreilles velues de Lombax. On vend ça? Oui, monsieur, c'est un accessoire vendu dans le kit des mini-armes d'assaut. Bon, tu as apparemment commis une erreur stupide. Au niveau B pour la désintégration. Oui, monsieur. Attends, monsieur. En y allant, demande au labo de préparer un test d'intérêt. Il faut trouver pourquoi ces gadgets ne se vendent pas. Je m'en occupe, monsieur. Alors, là, c'était permis de tuer. J'ai dit non. Permis de tuer, du coup, c'est un échec. Grabuge, la zone grouille de pullulor, tuant autant que possible dans la limite du temps imparti. 4000 points. Bah en même temps, ça c'est... Ça sert à quoi un pyjama avec un casque? Mais laisse-le faire ce qu'il veut. Le défi suivant relève de la folie pure. Voyons combien d'ennemis Ratchet peut détruire avant que le temps ne soit écoulé. Easy. Bitch. Mais non, je voulais pas cette arme, elle pue la merde. J'en tue 180, ça devrait le faire. À la file indienne, indienne, indienne. À la file indienne, nous marchons en courant. Maman,
sur rien. Bon. J'aime bien parce qu'il y a des défis, genre, ils sont impossibles, et il y en a d'autres, branlettes. Robot dans un baril, élimine tous les ennemis de chaque vague. 8000 points et 2000 balles. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir. L'heure est venue de tuer ou d'être tué. Ma foi. C'est la manche de l'annihilateur. L'annihilateur. Ratchet va devoir affronter des attaques incessantes de redoutables ennemis. Tranquille, ma biche. J'aime parce qu'il y a vraiment des manches, c'est giga simple. Et il y a des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression qu'ils ont du mal avec la difficulté quand même dans ce jeu en général. Parce qu'il y a des fois genre c'est vraiment infaisable. Des fois où vraiment tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette mission. Il y a peut-être un peu trop d'entités chargées à l'écran. Avec la lave, le jeu il aime pas trop avec la lave. J'ai pas pris de dégâts encore, quel dommage. Attends, t'as commencé les manches là? Bah ouais. Bon, il me manque plus que permis de tuer. De redoutables ennemis. Alors voyons voir en termes de points de compétence. Avoir l'alcool gay, détruire 5 réfracteurs. Comment tu détruis les réfracteurs? Ça dégage, utilise le motif napalm pour tuer 40 ennemis d'affilée. Dans le défi, le rodator rôdeur, tue un rodateur avec ta clé. Un rodator avec ta clé, lol. L'écrabouille tout, tue 30 ennemis d'affilée avec le fléau. Non. Et réussis le défi, le rodator rôdeur sans infliger de dégâts à ton rodator. Abat un rodator avec le fusionator, ouais ça se fait. Détruit 5 exécutionneurs avec le fusionator. Les 12 salopards. Détruit 4 navettes avec l'arbitre. Carton rouge. Ok bon, char c'est terminé. Putain j'ai loupé un défi, je suis deg. Je peux pas, j'arrive pas à le faire ce défi. Ça me saoule. Bon, direction Orkson. La planète qui pue. La planète nulle. En vrai, Orkson, j'ai un mauvais souvenir de cette planète. Je crois qu'elle est pas ouf. Direction Orkson. Nous voilà dans le magnifique monde Blarg Orkson, au-dessus d'un énorme... Ah, c'est la planète Blarg, c'est ça. Chaque semaine, les concurrents y viennent avec un seul objectif en tête, le détruire. J'en profite pour remercier les généreux habitants d'Orkson qui consentent à céder de nouveaux complexes miniers chaque semaine. Qui consentent? C'est la mission de parler franchement, chef. Non. Tu n'as pas le droit. Transformation, modif, transformation, transforme les ennemis en animaux d'élevage hautement explosifs. Sympathique. On verra ça pour plus tard. Oh le fléau. Oh là là. Hello guys! Ratchet, tu as le choix entre deux chemins de... Je crains que les deux soient aussi dangereux l'un que l'autre. Ah bah alors si les deux sont aussi dangereux l'un que l'autre, pourquoi faire le choix? Oh! Ils ont opté pour le chemin de droite! Mauvaise décision! Vous allez tous mourir en fait! Niveau puissance, ça veut rien dire le fléau. Ah mais je peux pas choisir, d'accord, après en fait ça, le deuxième truc disparaît. Bon bah let's go, j'ai pas le choix. Bon allez, j'ai même parce qu'il porte ça comme s'il portait un sac, t'sais, en mode bon allez je vais faire les courses. T'es en mode what the fuck quoi. Allez descendez. Voilà.
putain, il est cheaté. Ce truc est complètement pété du cul. C'est le fléau du cul. Et encore là, je n'ai pas mis d'amélioration de type dégâts. What's up? La violence. Le bordel, tu sais. Alors, il y en a deux là-bas. Que peut les caper? Comment que ça va? Moi, ça va très bien, en fait. Nous sommes à mi-chemin, les amis. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je verrais bien un peu plus de chic et de molar. Je vais te demander, en fait. Papadaba, papadaba. Oula, attention. Prenons le fusil. C'est bien ces boucliers à travers lesquels tu peux tirer, mais pas eux. Genre, tu sais, il y a des balles qui peuvent passer et pas d'autres. Genre, c'est totalement logique. Le fusionnateur aussi, en vrai, là j'ai des armes cheatées. Et encore, elles sont que level 1. Donc, vous imaginez le fléau du scorpion amélioré? Ou même le fusionnateur? En V10? Et l'objectif est ici. Oula putain! Bordel de cul! On va tous mourir! On va juste tous mourir en fait. 500 de dégâts par coup. C'est craqué du fion. A tous les coups, le bordel il va être beaucoup trop résistant. Comment je suis mort? What? Permission de parler franchement. Hatchet, tu as le choix entre deux chemins différents. Je crains que les deux soient aussi dangereux l'un que l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Comment c'est possible que je sois mort en fait? Je te massacre. Ça fait vraiment acharnement en fait quand tu tapes avec le fléau, c'est plutôt marrant. Ah ouais. J'ai pris un. Voire peut-être deux. Parce que tu n'étais pas en vie. Ah. Peut-être, effectivement. Ça peut expliquer bien des choses, ma foi. Oh, bouche! Ah! C'est le Vietnam ici, mais tellement! Ça rame du cul! C'est un jeu PS2, il rame du cul sur une PS3! Qu'est-ce que vous avez branlé en optimisation? Pas grand chose de toute évidence. Bon, le fusionnator va te prouver à quel point t'as tort. Tel Igor Dosgore. Bon, je vais prendre le Joe Viper parce que c'est clairement le plus OP. Non, il n'y a pas le flamant rose. Pourquoi pas, là. Besoin d'une bombe IEM s'il vous plaît. Mireille à la 4. Ben voilà. T'as pris le respect là.
faut pas que je remeure sur ça, sinon j'ai avoir le seul. C'est vraiment pas la mission où... C'est vraiment pas la mission où il faut mourir, ça. Ça prend beaucoup trop de temps de revenir. C'est pas si mal, et au moins Ratchet il a une armure David Goudinov. C'est ça. Bah oui, évidemment, continuons. Pipipi. Beaucoup de stagiaires sont morts sur le portage de ce jeu, visiblement. Ils ont donné tout leur sang et leur âme. La surcharge des nœuds encore. De la deuxième étape, notre concurrent va devoir atteindre le second niveau et capturer 6 nœuds de contrôle. Et si j'ai pas envie, comment on fait? Vous pouvez pas m'obliger à travailler en fait. En fait, à faire le bouclier, ça servait juste à rien de faire l'IEM. Sinon ils explosent ta tête. J'avais oublié ce petit détail, effectivement. C'est un bon moyen de pression, ma foi. Le premier nœud. Fiche, ils ont vraiment tout saccagé. Je crois que je vais me tuer. Pas si je vous tue d'abord. Vous savez, moi, Tita, après tout, nous ne sommes pas obligés de devenir amis. Nous sommes collègues, c'est tout. Mais putain, c'est la fête à mon cul ou comment ça se passe? Pourtant c'est bien marqué dans les Comic Con Gamus, pour un bon portage il faut 20 litres de sang de stagiaire en période d'essai, le burn-out et 10 petites cuillères de sucre. Exactement. C'est les bonnes recettes. Parfois ils ont du mal hein, les robots, décidément. Ils ont du mal à se mettre au boulot. Hein. Il y a une cible mais je sais pas ce que c'est. Aïe, ça me fait mal. Il faut lâcher des toiles partout. Dangereux, quelqu'un va se blesser. Rendre inconscient. Voilà. Allez. Il tire des missiles jusqu'ici ou... Oh oui! La triple kill. Magique. J'aurais pas osé le dire comme ça, mais effectivement. Le jeu qui rame le cul comme jamais. Incroyable, du cul. Bah, s'il n'y a pas de peur. Il me faudrait un vendeur quelque part là qui me vend des munitions.
pa-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 p
Campagne terminée. Badge bleu. Oh, on peut déjà devenir un croisé. Bienvenue chez les Templiers, en fait. Fondre sur l'Enfernator. La folie fond sur le labyrinthe de la mort. Une partie de tir à bord du Rodator. Ah, mais c'est toujours le même truc, tir au blarg et tout. C'est pareil, c'est avec des cibles, non? J'ai pas très envie de... J'ai peur que ce soit un truc que j'ai déjà fait, quoi. Bon, on va essayer déjà de faire l'Enfernator. Les amis, nous avons décidé de pimenter un peu le mode d'assaut. Le concurrent n'aura accès qu'aux armes placées dans le tracé fatal. Bonne chance. J'ai 1 minute 20 pour éliminer 152 personnes. Tranquille. Est arrivé à la moitié du parcours. La moitié. Talent, les amis. Les gars, en maths, il va falloir faire des efforts, hein, parce que là, on est toujours pas la moitié là. Enfin, si on en veut, on y était. Mais... You understood what I was saying. Est-ce qu'on va avoir besoin de changer d'arme à un moment? J'aimerais bien que non. Putain, en vrai, on va passer la B9. Hein. Ça, c'est bien. Oh oui! Plus qu'un level et à son niveau max. Et ça, c'est beau. Yay! Yeah. N'oubliez pas d'appeler le 3680 si vous voulez participer au tirage au sort pour être des prochains otages. C'est ça. Tir au blarg, j'ai peur que ce soit le même truc, les trucs infaisables là. Donc on va pas le faire. Tournoi de croisée. Le tournoi du croisé, un événement au cours duquel les vrais héros mettent leur force et leur ruse à l'épreuve d'une série de redoutables défis débouchant sur un ultime face à face avec Reactor, l'exterminateur du Dread Zone. Et après ça dit, la navette dessert l'usine de combat de 24 sur 24, 7 jours sur 7. Allez, Reactor. Dans un monde où les rêves prennent le pas sur la réalité. Bye White, merci de passer, bonne nuit. Se déchaînent. Même bébé, je ne suis pas ton bébé. Oh. Une machine à tuer psychotique a osé s'approcher des étoiles. Soyez prêts, car cet été, Pox Divertissement vous raconte l'histoire vraie et merveilleuse de l'ascension vers la gloire d'un exterminateur. De ses débuts comme simple professeur de mathématiques au lycée. Même bébé, j'offre à ces gamins la connaissance. Tu es vraiment pathétique, hors de ma vue. À son succès incroyable comme superstar de sport ultime. On est riche. Je t'aime, Reactor. J'ai toujours été là pour toi. Partagez ce rêve. Vivez la légende de Reactor. Reactor. Partagez le rêve de Reactor. The Dream. Ok, bon. Upgrade de la clé. Carrément, lance mini tourelle, 100 000 balles. T'es très occupé à te battre, à sauter, tout ça, mais j'ai une nouvelle amélioration de robot pour tu toi. Tu peux pas le dire avant que j'achète 40 000 balles de... Oh, cyber guerrier, upgrade, go mex. Oh, 80 000 balles. Oh, 80 000 balles. Grille du tireur, ouais, non. On va rester sur ça. Oh, ils ont des upgrades bien, là. Oh. Te revoici, Ratchet. Mes capteurs environnementaux m'ont averti de ta venue. Bonjour. Attention, quelque chose de petit et de velu rôde dans le bureau de glacement. Oh, c'est toi, Ratchet. Bien. Salope. Tu t'es apparemment amélioré, ce qui explique le fait que tu sois en vie. Bonjour, très cher. Tu t'es apparemment amélioré. Si tu as terminé de consulter ton classement, merci de quitter le bureau. Te revoici, Ratchet. Attention. Te revoici, Ratchet. Bonjour, très cher. Ton classement est satisfaisant. Permet à mon protocole émotionnel d'exprimer sa surprise. Le truc qui te trash talk à chaque fois que tu viens voir le classement, quoi. C'est quand même dingue.
soir alors. Dans Dread Zone. Ah d'accord, je me bats la clé, très bien. A élaboré une stratégie. Mettons ce Lombax à l'épreuve en ne laissant que des mines sur le pardon. Terrain. Mais je peux pas utiliser d'armes, on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que cette épreuve de merde? Mais c'est injuste, ils ont des pistolets eux. Le tirez-vous dessus, hein. Moi ça me fait gagner du temps. Hein. Je suis pas rassuré. J'aime pas les défis uniquement à la clé là, ça me saoule. Mais je peux avoir une vraie arme à un moment ou non? C'est interdit par la loi. Mais genre je dois me battre contre ça à la clé, mais what? Ah mais j'ai des armes imposées, qu'est-ce que... Quel est le fou? J'ai des armes imposées. On va savoir. Bah c'est bien, ça me fait augmenter mon lance-mine comme ça, mais... Et vu que j'ai munitions illimitées, let's go hein. Si tu veux, moi ça me va en fait. Bien, ça m'oblige à l'améliorer le lance-mine. Ah putain, avec les pics comme ça, je déteste ça. J'ai cru que c'était la clé qui s'était améliorée. Parce que les robots ils ressemblent à des mini shell shock, pas des mini exterminator là, ou je sais pas comment il s'appelle, monsieur qu'on va affronter là. Mais j'enseigne des cours de maths, Thierry, j'aide ces jeunes. Par contre 5 rounds comme ça c'est long quand même hein. Et j'ai clairement pas la meilleure arme pour faire ça. Quelle punition! C'est n'importe quoi, putain! Regardez tous les levels qu'elle prend, l'arme! Ah putain, pas encore lui là! Il me saoule lui là avec ses pieds. Il crève. Il y a encore une tourelle là-bas. Elle est pas morte. Elle est pas encore morte elle. Mais c'est insane. 240 de puissance. It's over 9000. On commence à faire mal quand même. Allez, 5 manches. Ah, ça ressemble plus à rien. Ah. Ah, ça y est, j'ai plus de munitions. Il a décidé qu'il me... Ah, si, c'est bon. Mais guette les dégâts que ça fait, quoi. Ça veut rien dire. Pfiou. Ah bah putain. Cette fois-ci, Ratchet est officiellement foutu. Nous avons raccordé son collier de Red Zone à 4 lignes de contrôle situées dans toute l'arène. S'il ne parvient pas à arrêter leur compte à rebours, le public va pouvoir goûter au pâté de Lombax. Ah.
Je veux pas mourir moi en fait. Oh merde. Quelle erreur. J'ai 3 minutes 30 pour finir la mission. Dénouisite. Yahoo. Bon, il n'y a pas une seconde à perdre si je veux pas mourir. C'est un peu violent quand même les tests d'examinateur là, enfin d'exterminateur. Un peu vénère comme comme épreuve là. On commence à rentrer dans le vif du sujet quand même, ça fait plaisir. Allez, j'ai plus le temps. Hein. On en est à un stade où Ratchet se dit j'ai juste plus le temps en fait les gars. J'ai bien rigolé 2 minutes mais là c'est plus possible. Ah, mesdames, ça y est, le boss. Ratchet, hein? T'as l'air d'un écureuil dans du papier d'alu. Je vais prendre mon temps, mec, pour te démolir. Mes fans vont en avoir pour leur argent. Et essaie de ne pas pleurnicher, s'il te plaît. Il faut que ça rentre bien à l'écran. Fais péter. Je vais t'exploser, gros. Mais ça, tu te sentiras mort de fatigue. Elle fait mal son attaque. Connaître le monde de la souffrance. Mais en vrai, on dirait qu'il a les. On dirait qu'il a la voix de Nefarious. On dirait qu'il a la voix de Docteur Nefarious. Aïe. Mais il fait mal sa mère. Tu vas connaître le monde de la souffrance. Ah, arrête de faire trembler l'écran comme ça, putain c'est trop chiant. Quand j'en aurai fini avec toi, même ton meilleur ami ne te reconnaîtra pas. Intéressant. Oh putain. Comment je vais faire pour le battre? Bah je vais juste pas le battre en fait. Comment ça se fait qu'il me fasse aussi mal? Tu vas connaître le monde de la souffrance. Ah comment il fait trembler l'écran, c'est trop chiant. Ah la crise d'épilepsie est réelle. Arrête d'essayer de faire des kamehameha, t'es nul. Esquive, esquive. Ah, c'est horrible. Ce bug d'affichage est dégueulasse. En vrai, j'ai tombé en rate de munitions avant. Ah, si seulement j'avais les mini-tourelles, quoi. Ah, je vais peut-être gagner des trucs de Viper. Mission de l'arbitre.
Steve. Ah non. Quand j'en aurai fini avec toi, même ton meilleur ami ne te reconnaîtra pas. Allez, tu es mort! Merde. It's over! Pew! Oh, damn! Et réacteur! Et donc, on obtient la ceinture de Valix et la planète Torval pour nos nouvelles missions. Ah, y'a pas la petite scène où je change de couleur de tenue? Ah non, d'accord. Bon, bah rip. Rip la tenue. Ton classement est satisfaisant. Permet à mon protocole émotionnel d'exprimer sa surprise. Merci, merci. Si tu as... Du coup. Cyberguerrier. Goku remet son gouffre dans la niche de la destruction chic avec le cyberguerrier. Les robots de combat peuvent s'installer bien confortablement et traquer leur cible à distance. Donc un sniper. Et là, Goku Matix. Voici le second et quatrième élément nécessaire pour augmenter les points d'attaque de ton robot de combat et ses capacités de dégâts. Il est conseillé d'utiliser des gants et de se doucher souvent. Bon, on va déjà acheter ça. Ça m'a l'air pas mal. Donc maintenant, il y a une jolie armure bleue, dis donc. La prochaine sera noire. Allez, let's go. Bon, bah en une heure, on a fait le tournoi pour devenir des croisés. Tu as déverrouillé la campagne de la ceinture de Valix. Ah oui, allons sur la ceinture de Valix alors. Vu qu'on a débloqué la campagne de la ceinture de Valix. Allez. Par contre, j'ai clairement pas le niveau pour avoir le niveau. Enfin, j'ai clairement pas les armes ni la santé nécessaire pour faire les nouvelles missions là. Je sens qu'on va en chier un petit peu. Nous sommes en direct de la ceinture d'astéroïdes de Valix. Voyez, du légendaire rayon d'énergie gamma. Ce fameux vaisseau spatial avait été acheté il y a quelques années par Gleeman Fox. Aujourd'hui, au lieu de quitter les vaisseaux à travers les astéroïdes, il va être le théâtre d'un nouveau tracé fatal encore plus démentiel. Pour pimenter le tout, nous avons éteint le vaisseau. L'équipe Darkstar parviendra-t-elle à le rallumer à temps pour empêcher les centaines de vaisseaux de s'écraser contre les astéroïdes? Quel suspense, mes amis! Quel suspense! Ils ont éteint un phare... Un phare spatial, ils sont full con ou... Bon, lance mini tourelle, lavage de cerveau, ouais. Jeff, mon écran indique qu'un vaisseau se trouve dans le hangar. J'ai eu à tuer personne, donc moi ça me va. En fait j'aime bien parce que les victimes de mes robots sont aussi des victimes à moi sur mes armes, donc ça améliore mes armes en plus. Pratique. Ma foi. Bon allez. Comme se bouger la nuit un petit peu. Il va falloir soigner le robot. Et toi tu es où en fait? Il est où l'autre? J'ai pas compris où il s'est foutu le gars. Allô? Mais. Ça y est, j'ai un allié bugué. Yes. En espérant qu'il réapparaisse un jour quand même. Reviens Michel, tu nous manques. On va bugger du cul. La V6.
tu vas mourir, oui. C'est quoi ce petit saut de cabri là qui nous a fait? Plateforme! Pour. Ça c'est fait. Ah! La pute! Mais c'est injuste! Il m'a poussé dans le vide! Mais enfin! Hey, chef, qui fait ça? Vous avez vu, mais enfin, qui fait ça? Quel genre de chien de la casse fait ça? Oh putain! Aouh, je vais tellement mourir. Allez hop, on les élimine tous. L'air de rien. Après. Et un, deux, stress. Un pasito de la baila. Un, deux, stress. Yes. Level 6. En vrai, les armes augmentent quand même vachement vite. Et j'ai même pas utilisé encore les améliorations qui permettent d'améliorer l'XP des armes. Ça explose en fait. Ah, il a un bon recul. Une bonne amélioration de recul. Voilà, tu meurs. Ah. En fait, on se fout pile en dehors de la cam que je la vois pas quoi. Technique de lâche. Mais oh mais merde! Sérieux? Ça n'a aucun sens. Allez, j'ai besoin de faire sauter un truc. Ok. Oh, ça transforme tous les trucs en animaux. Regardez comme c'est mignon. I need some help, please. Je comprends même pas pourquoi on l'a pas fait avant ça. Ça me fait quand même assez peu de vie cette histoire. En termes de vie restante, c'est pas ouf. Sérieux? Je ne vous endormez pas. Bah non, mais on pourrait. En vrai, ça fait tellement mal, ça fait tellement de dégâts.
et je peux tellement rien y faire. C'est abusé. Bon allez. Il y en a assez, le level 10 c'est pour maintenant. Et cette fois-ci on arrête de mourir comme des sacs. Ce serait quand même vachement bien. Simplement en fait. Pas intérêt à mourir comme un sac. Pas une nouvelle fois. Ah yes. Bon allez, c'est de la plateforme, on saute et on... C'est... En vrai c'est pas évident ces plateformes, elles sont cheloues un peu. Elles réagissent bizarrement par rapport à d'habitude. Oui, headshot. Là. Là. C'est pas compliqué. Je vais le demander en fait. Attention à vous. Aïe. C'est insane les dégâts que je prends quand même. Ça se voit que je suis un difficile. Nice. Bonsoir. Est-ce que ça se voit que je suis un peu concentré? Je pense que oui. Oh! Oh, ce ralenti, ce 360 noscope ralenti! Enfin, c'est pas un noscope du coup, mais vous m'avez compris. Ah non, je meurs pas maintenant, c'est hors de question. Que ce soit clair tout de suite, je meurs pas tout de suite et je meurs pas maintenant. Ah non, non, non. La réponse sera non. Ça fait mal. Quand même. Il y a un overship dans ce hangar. Et si on s'en servait, chef ? Je suis content de le savoir. Est-ce que ça se voit ? Caméra qui fait nimp. Ça, quel plaisir. Oh oh. Qu'est-ce que je suis censé faire? Aller l'ouvrir, hein. Je vous regarde. Moi je galère bien assez comme ça. Je vous regarde faire. Oh putain, cette mission de l'enfer! Oh la vache! Et c'est que la première, hein. On est clairement pas au niveau.
S'il veut atterrir, notre concurrent va devoir débarrasser les lieux de tout ennemi. Ah ouais, là on est avec l'overship. Aïe. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un des deux qui a genre le vertige et tout, il aime pas les véhicules. Je m'en souviens maintenant. Voilà. Ça c'est bien, c'est efficace. Ça fait zizir. Putain, ils font ça les autres exterminateurs en vrai, ou on arrête de les emmerder eux. Oui, tu me déranges, Al. Et je crois que c'est toi qui l'as utilisé en dernier. Réserve cette ligne pour les communications importantes. De plus, tu es censé travailler à désactiver les colliers de sécurité. Ouais, en fait. Je m'occupe des colliers, mais c'est juste que j'ai pris mon shampoing, en fait. C'est chiant. Faut que je les ai éparpillés de façon buzz. C'était bien. Je crois que nous perdons des pièces légèrement vitales au fonctionnement de cette machine. Ah non! En fait, il faut surtout que j'élimine les gros tas. Après, le reste, ça se gère. Fait une formation tout seul là, Michel, je sais pas si t'es au courant. Voilà. T'en en finir. Voilà, si j'ai mis un chargeur dessus, ça le calme. Étonnamment. Dernier. Et ça meurt. Voilà. Pas mal. Allez, on décède. Merci. Été largement oui, meilleur. Évidemment. Et bien notre toujours meilleur, Ace. Pierre des ordres de la station d'alimentation. Pour la troisième étape. Ratchet aura pour mission d'allumer le phare principal. Mais tout d'abord, il devra activer les générateurs situés au nord et au sud de la ceinture d'astéroïdes. Intéressant. Cette théorie est fort intéressante, mais est-ce que j'en ai vraiment envie? Je ne crois pas. De la puissance du fusionator. Collatéral. Coucou. Est-ce qu'on vous dérange? Vraie question. Ratchet, aïe. Tu es actuellement dans le générateur sud. Doit localiser 4 orbes d'énergie. Pirate les orbes pour réactiver la station. Ouais. Vous activez quoi là? Oh bande de cons. Venez là. Ils sont buggés du cul. Et venez là. C'est là que ça se passe en fait.
Bande de débilos. Plus que deux, chef. Putain, y en a un qui est full bugué, c'est terrible. Bravo, chef, on est bien. Bon, allez, avançons avant que vous me souliez trop. J'ai déjà perdu plus de la moitié de ma vie, quoi. Beaucoup trop longtemps que ça traîne. Faut qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Ouais, ouais. Yo, reframboise, comment ça va? Générateur nord. Remets en route le générateur nord, dépêche-toi. Bon, niveau cadence, c'est pas tout à fait ça, mais le fusil de précision, ça peut être pas mal. Yeah. Bon, j'ai 5000 balles donc je vais pouvoir acheter les tourelles et ça c'est bien. Comme ça les tourelles vont pouvoir bosser à ma place. Je fais des moves un petit peu aléatoires mais fortement stylés. Oh putain de dieu. Ça sent mauvais cette histoire. J'ai pas de fusil. Mon arbitre il ne vaut rien. Eh ben. Bion. Bon ça y est, il devrait voir que... faut pas venir par là, que c'est dangereux. Yeah. Et la lumière fut, tourne le boulon de la station. Et maintenant, fans de Dread Zone, l'équipe Dark Star va devoir rejoindre le deuxième réflecteur et réactiver le rayon d'énergie gamma. Le rayon d'énergie gamma. Le taf. Ça fait plutôt le taf. C'est tourelle de l'amour. Ça va et toi? Depuis tout à l'heure. C'est tourelle de l'amour quoi. Incroyable. C'est vrai que j'ai pas encore mis d'amélioration sur les tourelles, c'est dommage. Doucement, doucement, doucement. Olé. Tourelle de level 2. 60 de puissance. Ah. C'est pas beaucoup. D'autres gadgets disponibles sur ton écran de sélection rapide secondaire. Je peux voir ça. Ah. Quoi? Allez, j'ai besoin de faire sauter un truc. Vas-y, on va finir d'améliorer le job du père déjà. Bonne chose de faite. On est plus pour très longtemps.
3. C'est n'importe. This is way too fucking just. Allez, let's go. Évidemment, deux gros tas pour finir. Sinon, c'est pas marrant. Mais franchement, ah, la V10! Un petit trophée qui tombe? Oh oui! Esquive ça. Première arme montée en V10. Ça c'est propre. Ah quand même 5000 balles. Ça se prend. Alors, du coup on va améliorer l'arbitre maintenant, autant qu'on peut. Ce que ça brille, c'est comme une ampoule mais en plus brillant. C'est quoi l'icône first? Ben, maintenant c'est pour les premiers soutiens de la chaîne ou je sais pas quoi. Vous êtes des fondateurs, ceux qui ont ce badge. Je sais pas ce que c'est. Pour être parfaitement honnête, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai envie d'éternuer, ça y est. Bon, l'audio Viper monté à max, ça c'est cool. Oh, damn! La puissance est réelle. Ça va être compliqué d'esquiver ça quand même. En tout cas en théorie. Bon, le duo Viper, meilleure arme du jeu, très clairement. Je pense que là on a plus trop de doute là-dessus. What the fuck? Je m'attendais tellement pas à ce que ça fasse ça. Est-ce qu'on va réussir à passer au rang de libérateur avant la fin de ce stage? Oh yeah, c'est une fondatrice comme Bayo et moi. Et je pense que c'est tous les gens qui ont eu un sub dans les X temps de la chaîne qui sont considérés comme des fondateurs, mais je comprends pas trop. Je sais pas combien de personnes peuvent avoir ce titre. Oh là là, Marvin qui reprend un abo et qui redevient un fondateur, merci beaucoup. Bien le bonsoir, comment ça va? Le rayon d'énergie gamma. Oh là là, Marvin qui regagne son badge fondateur, c'est incroyable. Sixième mois consécutif, c'est propre. Remarque, Ratchet n'est pas mal non plus. Ce qui est en fait un concurrent. Ça va, ça va. La bite de lumière. En tout cas, replay pas au pouls. Non mais je vais regarder ça après le stream pour ces histoires de badge là parce que ça fait trop bizarre. Botte gravitationnelle, oh oh. Et on a un badge en or. Ça fait longtemps, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Planète Torval. J'en ai plus aucun souvenir à cette planète. Celle-là, je m'en souviens. Maraxus, je m'en souviens. Stygia, je m'en souviens très bien. Torval. Celle-ci, je m'en souvenais bien.
Celle-là, je m'en souvenais. Celle-là, je m'en souvenais. Celle-là, oui. Celle-là, oui, quand même. Non, en vrai, la prochaine planète, je sais plus tout ce que c'est. J'ai aucun souvenir. Localise le vaisseau caché et échappe-toi de la planète avant que tes ennemis te poursuivent et t'envoient 6 pieds sous terre. Un programme, ma foi, fort sympathique qui ravira grands et petits. Aha. Sujet 135. Choisis un objet parmi les suivants. Une boîte déjeuner musicale Courtney Gears. Une figurine parlante de l'agent secret Clank. Ou cette super cool figurine Desert Light qui fait une prise de Kung Fu. Wow. Pourquoi il n'y a jamais de notif quand je sub? Je sais pas. Ils se font taser, les gamins. J'ai Marvin qui apparaît dans le film et toi t'apparais pas. What the fuck? Tous les enfants dans le cours en ont une. Ouais, je m'en fiche, ce gars est un boulet. Bon, alors, si Ace est un boulet, quel jouet préférerais-tu avoir? Hein? Je sais pas. Peut-être ce long Bax qui a ratatiné Reactor. Qui faisait... J'avoue, Patoche, lui, il a pas le badge fondateur par contre. C'est trop chelou cette histoire. Ouais non mais j'ai qu'un seul sub qui est inscrit. What the fuck? J'ai Marvin que je peux relancer. Nous sommes aujourd'hui en direct de la planète. Mais j'ai pas Patoche, donc bah écoute, merci beaucoup Patoche, mais je sais pas pourquoi, il y a un bug. Je pense que le vent va bientôt tourner. Ils ont été envoyés dans l'une des énormes usines à jouets, Desert Light, à Torval. Certes, l'usine est fermée pour cause de mauvaise conjoncture, mais il y reste quand même un vaisseau Dace. Les membres de l'équipe d'Arstar vont devoir le trouver et s'enfuir à son bord avant que les unités d'élite de Dreadzone ne les prennent en chasse. Pour le moment, en tout cas, c'est pas affiché sur Twitch, je sais pas. C'est chelou. Vous parlez d'une mocheté. Ratchet, ma grille de navigation. Ma grille de navigation est complètement morte. Si on me signale un overbike droit devant, mais pour y accéder, tu vas d'abord devoir désactiver un champ énergétique. Et pour pouvoir y accéder, tu vas d'abord te la foutre dans le cul. Peut-être qu'il a mis ses abonnements en privé. Il y a moyen de mettre ses abonnements en privé sur... Bon boulot, on continue. Ben, logiquement, là, vu qu'on est sur Twitch, il n'y a pas d'abonnement privé. Genre, je sais pas, non. Ça n'a aucun sens. Je sais pas, c'est bugué. Parce que pourtant, genre, t'as fait la même chose du coup que tous les autres, donc je sais pas. C'est vraiment bizarre. Bah écoute, dans tous les cas, merci beaucoup, hein, ça me fait toujours aussi plaisir, mais juste ça m'embête pour toi, parce que je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. C'est trop bizarre. Je peux même pas essayer de le relancer, ça le comptabilise pas dans le truc, c'est trop bizarre. Par contre, je me vois avec la glace. Non mais c'est ça, hein. Mais cassez-vous! Ah non! Vous parlez d'une mochette. C'est quoi cette histoire de badge fondateur? Ben j'en ai aucune idée. Mon doigt détente commence. J'ai rien vu de tel jusqu'à présent. C'est tout nouveau. C'est genre on s'est sub le premier mois de stream Twitch? Je sais pas.
Faudrait regarder, je vais essayer de regarder si j'ai des infos. Je vous tiens au courant sur Discord si j'en ai. Pour le moment, aucune idée. J'ai pas le début d'un élément de réponse à vous donner, là, les amis, pour l'instant. Mais quoi ? Vous parlez d'une Mais mort de lol, quoi. Là la tourelle qui me met les trois quarts de ma vie quoi. Bon boulot, on continue. Non je sais pas, c'est trop bizarre. Cette histoire de badge fondateur là ça me perturbe, mais Twitch ils ont fait plein de trucs là, ils ont fait plein de changements. Il y a un changement d'apparence pour le dashboard, enfin il y a plein de trucs qui ont changé là récemment. Donc je sais pas pourquoi exactement, quel est le pourquoi du comment, mais il y a pas mal de trucs en fait. Salope là. Ah. Cours Ratchet, cours. Cours Ratchet, cours. Allez, meurs. Ça a l'air safe. Oh, chaud sa mère, l'émission. Sans déconner, le tournoi libérateur, je sais pas si on va pouvoir le faire ce soir. Hein. Détruis les drones. Oh, des champs énergétiques. Ils sont alimentés par l'énergie cinétique générée par des drones en perpétuel mouvement. J'ai lu ça sur une fiche mémo et je n'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire. En revanche, je sais que l'équipe Dark Star va devoir détruire ces drones pour désactiver les champs énergétiques. Et ça aussi je l'ai lu pour tout dire. Et alors quoi, ça vous défrise? Ouais, quand même. Ça me défrise complet. Ah la pute. Reviens là, petite salope. Alors j'ai cherché et en gros c'est les 25 plus vieux subs d'une chaîne reçoivent ce badge pour indiquer ancienneté dans, leur ancienneté dans le chat. D'accord, bah c'est bien parce qu'il n'y avait même pas encore 25 subs sur la chaîne donc logiquement tout le monde devrait pouvoir avoir ce badge en fait jusqu'à présent. Bah c'est nice en vrai. C'est un peu con qu'ils puissent pas avoir les autres badges classiques. Peut-être que vous pouvez choisir ce que vous affichez du coup. Comme vous savez il y en a à la place du Twitch Prime, ils ont un logo de Overwatch et tout. Patoche a niqué la logique, clairement. Patoche a pris la logique et il l'a enculé. C'est tout moi ça. C'est chiant quand même qu'il n'y ait même pas les alertes ni rien, je comprends pas. C'est pas normal.
Jedi? Et qu'est-ce que... Quel est le... Ah, oh, c'est long. Oh là là, c'est l'histoire sans fin, bordel. En plus, j'ai même pas des missiles ou des trucs comme ça pour les tuer plus vite. C'est vraiment en mode galérien. Allez, plus qu'un. Je vais t'avoir. Je t'ai eu. Zéro aide, d'accord. Donc j'ai chopé un truc, je sais pas comment. Défi achevé. Capture les nœuds. L'équipe Dark Star vient d'arriver à l'endroit où le vaisseau est censé se trouver. Sauf qu'il n'y est pas. Il est caché. Il va falloir des jours. Je me demande où il est le vaisseau, dis donc. Hein? Je me demande où il est le vaisseau. Je viens d'acheter quoi là? Des munitions? Transmission vectorielle dans ce secteur, je pourrais trianguler les vaisseaux afin de localiser le vaisseau. Run! Mais je sais pas, c'est chelou parce que avant le début du stream, j'étais à 7 abos. Je vais te dire combien j'en suis là. Là, il me compte 8 abonnés. Donc, je sais même pas si au final t'es comptabilisé là-dedans. Je saurais pas te dire. Je sais même pas où je peux le voir, la liste des abonnés. Où est-ce que je pourrais le voir? Non, 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 je veux pas regarder Squeezie. Non, ta gueule. Ferme-la. On s'en fout. Paramètres. Bougez pas. Hein. J'essaye de trouver, de trouver un truc. Rôle, modération, affilié. Là, j'ai les modos ici. Badge de fidélité. Bah, gérer les badges basiques, un an. Ouais, non, les badges n'ont pas bougé chez moi. Minimum de bits, top tier. Part des revenus publicitaires, non, on s'en fout. Voir ses abonnés Twitch. C'est pas du tout ce que je cherche. Chaîne. Non. Plus 4 followers, 7 abonnements, enfin 7 abonnements payés. Et là j'ai un total de 8 qui est affiché. Bon, j'ai une moyenne de spectateurs minable, mais ça c'est pas grave encore, on s'en fout. Télécharger ma liste d'abonnés. Ah. Allez, voilà. Ouais, bah. Je vais vous dire ce que j'ai là-dedans. Subscribe all list. Bah non. What?
Pourquoi je peux pas la regarder? Envoyer un email à mes abonnés. Là, j'ai 8 abonnés actifs reconnus. Il me dit, vous avez 8 abonnés. Alors, j'ai... Moi, il y a... Bon, il y a moi, mais voilà, il y a 25, évidemment. Il y a Framboise, Bayo, Foudre, Marvin, Patoche, si t'es comptabilisé. On va savoir pourquoi. Patoche, Kingdom of Stot, Chayou, Celi. Donc en gros, il y a, là j'ai 10 subscribers qui sont notés. Tier 1, tier 1. Chayou, 6 mois. 6 mois, 6 mois, 5. Foudre, 2 mois. Marvin, 6 mois, ça c'est bon. Patoche, 3 mois. Ouais, chelou. Là, ça m'en note 10. Je sais pas. Ça m'en note 10 sur le truc, mais je... j'ai pas les alertes de Patoche. Patoche. Challenge accepted. Voilà, bon, je l'ai relancé. Et j'ai relancé une vieille alerte qui montrait que t'avais été sub, mais là, je sais pas pourquoi, ça a pas marché. J'ai relancé une vieille alerte, mais je sais pas. C'est trop bizarre. Après, peut-être que c'était la liste mise à jour, mais pas trop. Donc, c'est bizarre un petit peu. Mais nique sa mère. Challenge accepted. Ah, là. Là, j'ai pas de toche. Voilà, le retour. Pourquoi pas. Le site me boot, c'est pas grave, tant que t'as un sub, c'est le principal. Bah écoute, merci beaucoup, mais bon, ça m'embête pour toi, quoi. Après, là, j'avais cliqué deux fois, je pense que c'est pour ça que j'ai eu deux fois. Mais au moins, on t'a vu. Eux, ils font giga mal, hein. Il faut vraiment que je fasse gaffe. Ah, il y a des tourelles là par contre, ça pue. Il paraît qu'on va trouver une solution. Je sais pas, c'est peut-être un petit bug de Twitch, on va savoir. Trop bizarre. Wow! Bon, là je vais libérer ce vaisseau, on va se casser d'ici parce que c'est déjà en train de me saouler cette planète. Tout ça aussi je m'en occuperai plus en off hein, quand je ferai le 100% tout à l'heure. C'est à ce moment-là que c'est vraiment important de faire toutes les missions. Ça y est, j'ai plus de PV par contre. Yes. Je me suis fait massacrer. Ce monde est un enfer. Je me souvenais... ah, en vrai, je m'en souvenais pas tant que ça de cette planète. Je me demande pourquoi. Ah, parce que c'est quand même vraiment un calvaire. Oh, je vais mourir. Ah non, putain, je l'avais dit que j'allais mourir. Quel con. Mon doigt détend commence à me démanger. Là, je vais tracer mes grands morts en fait. Regardez les dégâts qu'ils me font avec un seul tir.
Il y a quand même une inégalité certaine. Il y a une injustice hein, tout ça. Ils me font beaucoup plus mal que moi ce que je leur fais. Culade. Combien de fois vous voulez faire ça? Bah écoute, le moins possible, si possible. Mais stop. Ça a plus du tout là. Le jeu, il est passé en mode héroïque d'un coup, je crois. J'ai l'impression que c'est plus du tout le même niveau de difficulté depuis tout à l'heure. Je prends tellement cher. Je peux pas me permettre de prendre le moindre coup en fait, c'est horrible. En fait, on peut être sûr que là il me full life en fait s'il me tue. S'il me touche, il me full life. Tous morts. Allez, le crancoboulon là. On en termine une bonne fois pour toutes. Oh bordel à cul. Chiotte. Ah, vous allez pas commencer, hein. Je vous préviens tout de suite, moi. Explose la statue. C'est donc là que se trouvait le vaisseau. On s'y attendait pas du tout en fait. Je viens de perdre 50 boulons. Tristement pour l'ego de Hardlight, l'équipe Dark Star va devoir faire sauter la statue pour accéder au hangar caché en dessous. Ratchet, tu vas devoir ordonner à tes bots de placer les explosifs. J'avais compris, Clank. It's going to be quite of complicated now, guys. Regardez-moi ça. Pour un nain de jardin, ce Lombax se débrouille vraiment bien. Un nain de jardin, yes. C'est le plaisir. C'est la mort. Tourelle versus tourelle. Apparemment, la mine est plus puissante. Je dis ça, je dis rien. J'aurais dû rien dire. Allez, 10 secondes. C'est tout bonnement incroyable, les amis. Ratchet vient de terminer le tracé fatal de Torval. Il s'est enfui à bord de la navette spatiale qui était cachée à l'intérieur du mémorial des Hardlight. Et c'est dans Dread Zone. Ça ne s'invente pas. Oh my god. Amazing. Oh, c'était chaud, sa mère. Allez, campagne terminée, on a eu notre badge en or, on est content. Course urbaine, non. Ah, utilise la tourelle pour combattre les forces distantes de Dread Zone. J'ai 86 000 points, là ça me ferait 20 000 points, je serai à 106 000 points. C'est pas mal, mais...
Ah, il me faut 100 000 points, donc j'ai pas le choix en fait. J'ai juste pas le choix. Bon, désolé, ça va pas être le truc le plus intéressant possible, mais si ça me permet d'avoir 20 000 points, moi ça me va. C'est puissant quand même la tourelle comme ça. Hein. Yes, nanotech augmenté. Ça me prend plus de vie pour le boss. Les Viscerators. Je sais plus comment il s'appelle. Allez, quatrième manche. Et on va avoir une petite présentation du prochain examinateur là quand j'aurai les points. Eux ils font giga mal. Eux ils font vraiment mal. Les autres en règle générale, bon voilà. Mais eux, alors eux, c'est les pires. Concentration du joueur français. La quatrième manche qui commence. Ça pour 20 000 points, c'est quand même cadeau. Je suis en film et me revoilà à heureux. Voilà, 20 000 points. Allez hop. Tournoi de batailleur. Ah, je vais avoir la tenue en or comme ça. Ratchet, tu t'es qualifié pour le tournoi. Et après, il y a la tenue libérateur. C'est le capitaine Starshield qui détient le record. Alors c'est quoi ce nouveau badge? En gros, c'est le badge pour les 25 premiers subs de la chaîne apparemment. La semaine dernière, nous avons assisté aux morts spectaculaires des favoris. Agent Bizarro, Plasma Woman et Comet Orange. Aujourd'hui, le pitoyable Lombax, appelé Ratchet, s'est hissé en tête du classement de Dreadzone. Franchement, j'ai du mal à croire qu'une petite boule de poil ait réussi à aller jusque là, Juanita. C'est un crétin bagarreur, pas vrai? Certainement, Dallas. C'est aussi une menace pour les enfants, les espèces en voie de disparition et la bienséance. Bon, les enfants et les dauphins et quiconque respirera un peu mieux une fois que Ratchet aura été réduit en bouillie par les viscérateurs. Ah bah c'est les viscérateurs. Ne ratez pas le prochain massacre d'exterminateurs. Aucun concurrent n'a survécu, ne serait-ce que 60 secondes. Mais essayez de voir, parce que je pense que c'est comme les badges Overwatch à la place du Prime, je pense que vous choisissez. Vous me suivez ? Silence, Dallas, vous n'êtes pas drôle. Je pense que vous pouvez choisir de l'afficher ou pas. C'est vrai que c'est pas ouf quand même comme badge, honnêtement. Ce serait bien que vous ayez le choix. Eh bien, pour ton info, j'ai 16 terabits de bande passante tridirectionnelle sur mon unité. J'ai 16 terabits. Oh, ça fait un sacré débit. Oh, oui, je... Hé, hey, Clark, je te rappelle tout de suite. C'était qui, là? Oh, personne, vraiment. C'était la droïde dont tu m'as parlé? Alors, ça graisse? Et t'as les plans? Oui. Génial, t'es top de top. Mais j'ai appris que beaucoup d'autres héros étaient emprisonnés dans ce bâtiment. On doit les aider, Ratchet. Ah oui, bien sûr. Mais comment? J'ai remarqué que les écrans de sécurité avaient tendance à se désactiver au moment des grands combats. Ah, donc si j'affronte un des exterminateurs dans l'arène, ça te donnera du temps. C'est dangereux, mais c'est la seule solution. Pas de lézard, mon canard! C'est du tout cuit. C'est du tout cuit. Alors, y avait pas des trucs à améliorer là chez les robots? Tant que j'y suis. Cyberguerrier et Destructor. Oh putain. Cocomet XR. Voici la troisième des quatre éléments nécessaires pour augmenter les points d'attaque. Ce joyau parmi les super attaques a été spécialement conçu pour être utilisé et contrôlé par les robots de combat. Grâce à sa nouvelle détente, les robots de combat ne tireront plus par inadvertance dans les tribunes lors des défis de Red Zone. Ah. On en est là. Le Destructor. Ils sont stylés comme ça. Ce n'est que moi.
Il y avait un truc à 70 000, non? Attends, je vais aussi voir ce qu'il y a là-bas. Je peux tomber dans le vide? Ah oui. Mais ça me ramène là, ok. Je peux même pas me suicider, c'est dommage. Mais ça coûte cher. Bombe à retardement, mini-bombe, lavage de cerveau. On a la clé en feu! Attention, on est on fire, les amis. Bonjour, héros. Tu es un véritable gladiateur. Ah oui. Alors, du coup, là, je vais affronter l'Eviscerator. On verra bien si j'arrive à gagner. J'ai comme un doute, quand même. Je suis pas sûr. Vu mon équipement, j'ai des doutes. Je pense qu'il va falloir que je fasse un peu de off. Tournoi de batailleur. Et apparemment, c'est arme obligatoire. Et maintenant, la manche du changement d'arme. Juanita et moi, nous allons choisir à tout moment quelle arme Ratchet doit utiliser. Vous êtes prêts, Juanita? Ouais, oui. Choisis les meilleures armes. C'est bien, ça m'oblige à utiliser certaines armes que j'ai pas encore utilisées, du coup ça les améliore. Composez le numéro qui s'affiche à l'écran afin de voter pour votre arme préférée. Et maintenant, le choix de nos holospectateurs va s'afficher. Mais avant ça, petite coupure de publicité. 3, 2, 1, le voilà. On attend toujours. Ah, ça c'est pas dingue, quoi. C'est pas le meilleur choix des téléspectateurs, ça. Mais au moins ça les améliore. J'ai l'impression que l'XP des armes est vachement plus rapide que si j'avais joué dans un autre mode de difficulté. Parce qu'en fait, je suis obligé d'avoir des armes qui font mal, sinon bah, je me fais démonter en fait. C'est pas marrant. Voyons comment Ratchet se débrouille avec ceci. Ah, t'es baisé, je suis trop près. T'es baisé, t'es baisé, t'es baisé, t'es baisé, t'es baisé. C'est pas le plus évident quand même. Ça, espèce de long bac. Ah bah avec plaisir. Moi je te montre tout ce que tu veux avec ça. Aucun problème. Oh putain. Que des ennemis qui font mal. Mais vous rendez compte des dégâts qu'ils me font? J'étais full life. Je dois juste survivre pendant un certain temps. Ça m'a l'air plutôt faisable pour l'instant en tout cas. Je vois mal de quoi venir le problème pour l'instant. À part s'il me one shot si jamais je me fais toucher, alors ça peut arriver quoi. Ah par contre ouais, une minute c'est long. Une minute c'est long. J'ai pas vu ça sous cet angle.
le karma va me rattraper, c'était une évidence. Jamais de heal. Of course. Ah, ça m'apprendra à dire de la merde. Là, j'ai pris des dégâts, là, j'annonce. Ah non. Donc, plus ça va, et plus il y en a qui tombent, en fait, c'est le souci. Donc ça va au même moment que les gros ennemis qui font très mal. C'est un peu dommage. La base est réelle. Je trouve qu'il y a des endroits d'impact, en fait, qui sont plus ou moins rapides que d'autres. T'as vraiment pas de chance en fait, t'es juste allumé. Allez, moi je vous laisse deviner le jour de la semaine. Dernier jour de la semaine, faut que je sois en forme de mon live. Ok, merci, à plus. Et on va pas tarder à finir. Bonne nuit. Toutes les 3 secondes. Oh putain. 20 secondes. Ah, 6 secondes. Fuck. Bienvenue pour le combat du siècle, fan de Dread Zone. Voici le Challenger, connu pour ses exploits dans le crime organisé, sa passion de l'occultisme et sa haine du soleil, des chiots et du chocolat. Voici Ratchet. Sa haine du soleil, des chiots et du chocolat, tous les trucs que tout le monde aime. Son adversaire est un pro de l'éventration et un chef redoutable. Mesdames et messieurs, l'Eviscérator. Dallas, j'ai bien peur d'assister à un combat très bref et surtout très sanglant. Je suis presque triste pour le petit Ratchet. C'était une blague. Oh well, oh well, oh well, oh well, oh well. Mais prends des dégâts, sac à merde. Tu veux faire ta pseudo-animation de beau gosse là. Ok, plus de munitions. Il va falloir employer la manière forte. Ah mais ce sont ces sbires à lui en fait, les mecs comme ça là, qui sont horribles. Je me disais bien que ça me disait quelque chose, cette manière d'approcher. Oh, wow, 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 wow. Ce combat ne veut plus rien dire. Wow.
Comment je suis censé faire pour tuer un mec pareil? Oh putain. Ça sent la merde cette histoire quand même. Je veux pas dire mais ça sent mauvais. Pourquoi il y a un bruit de laser là? Oh putain de Dieu! Comment je suis censé survivre à ça? C'est une véritable question que je pose. Comment est-ce que c'est censé être considéré comme faisable ce truc? Oh non! Oh non! Donnez-moi de la vie! Ou tuez-moi aussi, ça va bien. Le truc où il prend pas de dégâts, quoi. Ah mais je suis con, j'ai les poils. J'ai les tourelles. Les tourelles vont tellement me sauver. Il a des animations, il prend pas de dégâts en plus. C'est chaud quand même. C'est chaud de night hein. Je suis tellement mort. Putain. En vrai, il y a moyen de le battre. Quand il fait son animation là, après, il prend pas de dégâts.
dur, sa mère. Ah, parce que t'es censé te concentrer sur le boss, mais t'as des mines qui t'explosent à la gueule juste à côté. C'est un petit peu du foutage de gueule quand même. Oui, c'est ce que je fais. Allez, les tourelles. C'est le moment de rentrer en action, les petites. Je glisse. Mais pourquoi il y a ces sbires qui débarquent d'un coup? Oh non! Ah salope! Ah c'est chiant! Quel foutage de gueule! Ah, il est bugué. On en profite. Il est bugué. Ça y est. Il est bugué, sa mère. Moi, ça me va en fait. S'est réveillé. Il est bugué, sa mère.
crois qu'il est devenu gratos. Ce bug restera dans les annales, je pense. Ah merde. Ah ça y est, il recommence à se défendre. Ça c'est con par contre. C'est comme con, il avait arrêté de bouger, je me suis trop rapproché. Bon là normalement il est tout red, je l'en... Allez, normalement elle meurt. Tranquille. Easy. Je suis un putain d'arnaqueur, c'est incroyable. Ce vol d'extermination. Oh bordel. Quel scandale. Place à notre nouveau. Absolument pas mérité. Yo Al, j'ai speedé comme un lapin. Silence, j'ai besoin de toute ma concentration. Mais qu'est-ce que tu fais? Clank, t'es sûr de ton coup? C'est un risque à courir. Chut, je n'ai plus qu'un circuit à fermer. Al, t'es un génie, t'as réussi. Je sais. Non. On dirait que quelqu'un enfreint les règles. Remets-le. Ace, t'es mort. Oh, très bien. Bon état d'esprit. Ça te servira dans l'arène. En fait, à travers les lunettes, c'est pas qu'il n'y a pas de reflet. C'est qu'il n'y a pas de tête, en fait. On voyait ce qu'il y avait derrière, le décor de derrière. On voyait pas sa tête. Tout ça, c'est ma faute. C'est buggé. Non, Ratchet. Ace Hardlight l'a fait. Sur ordre de Gleeman Vox. Ils ont fait une énorme erreur en s'en prenant à nous, Clank. Ils vont le regretter. Exactement. Et il est buggé du cul. Incroyable. Bon, bah écoutez, on est bon. On est bon, on est bon. Bah du coup, il nous reste plus qu'à acheter le présage, mais ça, ce sera clairement pas dans cette partie. Ou alors, je sais que je me suis vraiment chauffé. Mais clairement, là, du coup, on est un batailleur. Bonjour, très cher. Bonjour, très cher. Donc là, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, c'est à cause de tes points, en fait, qu'elle te parle mal ou pas. Et là, maintenant, en fait, elle commence à trop bien me parler et ça me saoule, en fait. C'est une faux cul. Cyberguerrier, bah écoute, je vais acheter tout ça, comme ça, moi, ça sera fait. Yay. Nickel. Parfait. Eh bien écoutez, du coup on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve donc très prochainement pour la suite et fin de Ratchet & Clank. Il y a des chances que je fasse du farm, notamment pour de l'XP et des armes, parce que ben, mine de rien, c'est dur, sa mère, c'est chaud, mais on y arrive, on avance, le tournoi exterminateur du vol, mais du vol complet, c'est assez fou, et puis ben, je verrai pour peut-être améliorer des armes et tout en off. D'ici là, portez-vous bien, c'était Riyad, des bisous, bye.